Je suis Loïs Masson. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille chez Swissquote. Vous pouvez bien sûr me rajouter sur Twitter ou sur LinkedIn dès que vous avez un petit moment, histoire de garder contact. Vous pouvez bien sûr m'appeler ou m'envoyer un email direct si vous souhaitez qu'on discute un peu de votre stratégie et de votre compte chez Swissquote. Ça peut être sur tous nos sujets, hein, donc actions, ETF, crypto-monnaie, ce que vous souhaitez. Moi, je gère aujourd'hui entre quasiment 3 000 portefeuilles. Donc, quand je dis je gère, on ne fait pas de recommandations financières, mais on discute avec voilà, nos clients de comment ils peuvent investir sur certains sujets. Voilà, on donne un peu nos opinions personnelles et ça reste toujours intéressant de discuter sur certains sujets parce que tout le monde est différent, tout le monde a un temps d'horizon d'investissement qui est différent et donc c'est intéressant de voir ces choses-là. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Rapidement, la définition est simple, hein, ce sont des fonds de placement dont l'objectif est de répliquer les performances d'un indice donné. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un indice? En Suisse, par exemple, on a l'indice du SMI. Le SMI, c'est les 20 plus grosses compagnies suisses, donc c'est ce qu'on entend à la radio tout le temps. Donc, on peut investir d'une manière en achetant un ETF qui va suivre, par exemple, ce SMI. Donc, on me dit investir dans le marché. On peut pas acheter le SMI, on peut acheter simplement des compagnies qui font partie du SMI. Donc vous pourriez acheter du Roche, du Nestlé, du Novartis qui font partie du SMI directement. Mais si vous voulez investir l'ensemble du SMI, la seule manière de le faire, c'est avec un ETF. Voilà. Donc ça, c'est un ETF qui va suivre un indice boursier. Mais il y en a d'autres qui sont plus spécifiques. Là, j'ai mis sur la santé, par exemple, sur la technologie, sur une région particulière. Par exemple, un ETF qui investit sur la Chine ou les compagnies chinoises technologiques ou sur les matières premières, le pétrole, l'or, dans l'uranium. Je vais revenir sur des exemples concrets après avec des graphiques. Clairement, quels sont les plus gros avantages d'un ETF? C'est d'avoir une diversification simple. On peut commencer à investir, par exemple, sur le SMI avec l'équivalent de 120 francs. Et donc avec ces 120 francs-là, ces fonds-là vont être vite diversifiés sur les 20 compagnies qui composent le SMI, c'est-à-dire voilà du Roche, du Nestlé, Novartis, et ce qui serait quasiment impossible, totalement impossible d'investir des montants faibles sur un ensemble d'indices. Mais j'ai aussi des clients qui investissent plusieurs millions avec simplement 2 ou 3 ETF. Ils investissent par exemple sur le S&P 500 qui va suivre les 500 plus grosses compagnies américaines et ils gèrent leur portefeuille comme ça. L'autre avantage aussi qui est sympa par rapport, c'est que ça coûte pas cher. Alors non seulement les frais de transaction sont peu élevés, mais les frais, qu'on appelle les TER, Total Expense Ratio, c'est-à-dire les frais de gestion de chaque ETF, sont faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de travail qui est fait derrière comparé à un fonds, où là on aura un gestionnaire de fonds qui aura une stratégie spécifique, et il faut payer ce gestionnaire de fonds. Mais c'est peut-être d'essayer de battre le marché ou de se défendre, ou voilà, faire une recherche plus approfondie. Là, d'habitude, ces fonds tournent aux alentours des 2%, 1,5 à 2%. Un ETF, on en trouve à 0,06% par an de frais. Si jamais ces frais-là ne sont pas déduits en plus dans votre compte, c'est-à-dire si vous aviez investi 1 000 francs, il va pas falloir rajouter de l'argent pour prendre ces frais. C'est pris directement dans la performance de l'ETF. Il y a une protection aussi en cas de faillite. C'est comme un fonds de placement. Vous avez pu récupérer vos positions. Et ça, pour moi, l'avantage que je préfère, c'est que ça se traite comme une action. Il y a plus de 9 000 ETF. Donc, ça fait peur. On ne sait pas par où commencer. Il y en a plus de 1 500 sur la SIX. La SIX, c'est la bourse qu'on voit à Zurich. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est bien, quelque part, hein, ça fait peur parce qu'on peut se perdre. Mais ce qui est bien, c'est que ça tire les prix vers la baisse, donc les TER, les frais sont de plus en plus faibles parce qu'il y a une compétition entre chaque ETF. Il y en a qui font doublon, qui ont le même objectif, par exemple de répliquer le S&P 500. Il y en a des dizaines. Donc comment ils vont se différencier? Souvent avec les prix, leurs tarifs. Là, je vous ai mis un graphique, enfin pas un graphique, ce qu'on appelle les ETF leaders chez nous. Donc, ce sont nos partenaires, c'est tous les ETF que vous pouvez acheter finalement sur la SIX. Tout cela sont à 9 francs la transaction, indépendamment du montant. Voilà. Il y en a aussi des dizaines. Je vous recommande d'aller souvent sur leur site si vous cherchez un ETF en particulier pour avoir plus d'informations sur cet ETF. Les ETF, il y en a de différentes catégories. Il y a tous ceux qu'on avait appelés qui sont passifs. Donc là, vraiment, le but, c'est de suivre l'indice boursier, donc de
de pas le battre, vraiment de suivre par exemple le SMI. Et il y en a d'autres qui vont appeler actifs. Là, je vous ai mis une photo de Cathie Wood, qui est son ETF qui s'appelle le ARKK, qui est l'ETF le plus connu et le plus grand au monde en ce moment. Et elle le gère, c'est-à-dire qu'elle va rebalancer le pourcentage d'actions qu'il y a dedans, par exemple, chaque mois. Ça ressemble presque à des fonds d'investissement, finalement. Voilà, mais l'idée est aussi dans tous ces ETF actifs, l'idée c'est par exemple de shorter le marché, c'est-à-dire de parier contre le marché ou d'être vraiment spécifique sur certains domaines, sur certains secteurs avec des réallocations. Voilà, on a aussi par exemple chez nous, on a nos thème trading qui font partie un peu de cet ETF actif. Il y a des ETF sur tous les types d'investissements d'actifs financiers, donc sur les actions, sur les matières premières, sur les obligations d'État, sur l'immobilier. D'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez faire des portefeuilles diversifiés assez simplement avec quelques ETF. Vous avez toujours vu ces cercles où on peut dire, OK, je vais faire un portefeuille par exemple 100% en actions ou 50% actions, 30% d'obligations d'État et 20% de matières premières. Eh bien, avec des ETF, c'est assez simple de le faire. Voilà. Et bien sûr, vous avez les frais qui commencent à 9 francs chez nous. Hop. Alors, je vais commencer avec le plus simple. Je vous ai mis ici le graphique du SMI, qui est en bleu. Et derrière, un ETF qui... Alors, bien sûr, je ne fais pas de recommandations sur des ETF. J'ai mis juste des exemples pour que vous compreniez simplement. Je vous ai mis le SMISHA, qui est un ETF qui est fait par UBS. Et pour voir vraiment comment ça se réplique. Là, je vous ai mis un graphique depuis 2017 à aujourd'hui. On voit vraiment que ça se suit, quoi. Il n'y a vraiment pas très peu de différence. Quelques différences, on pourrait dire peut-être que c'est les frais ou c'est le temps de rebalancement. Voilà, mais bon, ça se suit. On voit dedans que du coup, si vous achetez cette ETF, vous aurez principalement voilà, de la Nestlé à 17%, du Roche, du Novartis. J'ai mis le tableau. Alors ça, c'est un tableau qui date du 31 août. Peut-être que ça a été modifié entre-temps. On peut voir aussi que, alors là, c'est un peu de l'analyse technique, que récemment, le SMI a eu une belle chute avec tous les événements qui se passent sur les marchés, la hausse des taux d'intérêt, la guerre en Ukraine. Le marché a chuté de plus de 10% depuis janvier sur le SMI. Mais il est en train de retomber sur ce qu'on appelle une zone de support. Je vais vous montrer d'autres exemples là-dessus plus tard. Il y a des ETF thématiques. Alors, je vous en ai mis trois ETF en particulier. Je vous ai mis le SPY. Le SPY correspond au S&P 500, qui est en bleu foncé. C'est les 500 plus grosses compagnies américaines. Et je vous ai mis un ETF qui le suit, qui s'appelle le SPY. Donc, quand vous allez dans votre compte, si vous voulez l'acheter, par exemple, vous écrivez SPY et là, vous allez vous le retrouver. J'en ai mis un autre qui est des énergies globales vertes. Donc, c'est vraiment un ETF qui est fait par BlackRock, qui a fait un panier d'actions voilà, qui est sur les énergies vertes. Mais j'en ai pris encore un plus spécifique. Je voulais vous montrer voilà, les différents niveaux de profondeur qu'on pouvait avoir simplement sur les énergies solaires. Et là, je l'ai pris, c'est le plus gros qui s'appelle TAN, TAN. D'ailleurs, on voit que dans TAN, et là, je vous ai mis leur portefeuille. C'est toujours important quand vous allez ch chercher un ETF ou acheter un ETF de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelles compagnies, leur pays, comment elles sont diversifiées, les filtres ESG. Je vais revenir sur une liste qui est importante de vérifier à chaque fois. Et là, par exemple, si on va voir dans le S&P 500, on aura sûrement des compagnies du iShares Global Energy, qui d'ailleurs lui-même a des compagnies qu'on retrouve dans le Solar Energy. Donc par exemple, on regarde à Solar Edge qui va représenter 10% de l'ETF le TAN. Lui correspond à 4% dans l'ETF iShares Global Energy. Donc voilà, donc pour savoir que donc celui-là est plus diversifié parce qu'il y en a un peu moins que celui qui est vraiment sur les énergies solaires. D'ailleurs, les énergies solaires ont pris plus de 8% aujourd'hui, enfin cet ETF. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de se dire qu'il y aura qu'on dépend trop de la Russie sur le gaz. Du coup, on va investir de plus en plus dans les énergies renouvelables, dont le solaire, et que voilà. Donc c'est un peu, les gens spéculent un peu là-dessus en ce moment. Je vous ai mis un autre ETF donc qu'on discutait tout à l'heure, qui s'appelle ARQQ. Lui, il est géré par Cathie Wood. C'est l'un des les plus gros ETF au monde. Quand je dis plus gros, c'est qu'il avait plus d'argent investi dedans. C'est un ETF qui lui va investir par exemple que dans les compagnies
qu'elle appelle disruptives, c'est-à-dire qui changent, qui apportent vraiment d'innovation. Donc, par exemple, dans les véhicules, on peut penser à Tesla qui fait des véhicules électriques, on peut penser à Teladoc, qui est tout ce que la médecine à distance, voilà, Zoom qui transforme totalement la manière dont on travaille. Donc c'est un ETF, c'est une compagnie, c'est un ETF qui va investir que dans ces compagnies. Donc durant la lumière graphique sur les 2 dernières années, on voit qu'il y avait une explosion de vraiment un intérêt sur toutes ces technologies. Mais depuis voilà mars, il y a eu une belle correction sur ce produit. Donc au final, ils sont souvent, en étant plus spécifiques, l'idée c'est qu'il y aura plus de volatilité, il y aura plus de mouvement que le S&P 500 qui est mis en bleu. Et on se retrouve un peu au même niveau là si on avait investi sur les deux. Je voulais vous montrer l'évolution de cette ETF que j'avais fait en novembre. On voyait que Tesla, par exemple, avait 6,9%. Si vous c'est-à-dire que vous investissez 1 000 francs dans cette ETF ARKK, il y aurait voilà, quasiment 69 francs investis dans Tesla, 5,49% dans Teladoc. Aujourd'hui, ça a totalement changé. Par exemple, Teladoc n'est plus en deuxième position. C'est une compagnie qui s'appelle Roku qui est en deuxième télévision. Teladoc est passé en troisième. Zoom est arrivé aussi à 6%, alors qu'il n'en faisait pas partie en novembre. Donc voilà, il y a vraiment des rebalancements, ce qui est intéressant, parce que du coup, on ne garde pas une compagnie qui va forcément faire faillite. Ça, c'est des ETF actifs, pas passifs. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a des ETF, bien sûr, sur les matières premières. Là, j'en ai mis un sur l'or. Donc, sur les matières premières, souvent, ce qui est très important, c'est de regarder qu'ils soient physiques. C'est écrit dans la description. Qu'est-ce que j'entends par physique? C'est mon opinion personnelle aussi. C'est comparé à synthétique, c'est qu'il y a vraiment la matière première derrière. Donc là, par exemple, je sais qu'à Zurich, on a le ZGLD, qui est l'ETF de la Banque cantonale de Zurich. Là, vraiment, il y a l'or derrière. C'est-à-dire que vous pouvez aller avec votre papier récupérer vos métaux précieux directement dans leur coffre. On voit que l'or récemment a cassé une sorte de résistance. Alors, tout ce qui se passe en Ukraine, les gens investissent dans l'or, les taux d'intérêt qui montent. Il y a aussi, donc ça, c'est l'analyse fondamentale, mais il y a aussi l'analyse technique. On voit que là, il y avait un triangle symétrique qu'on appelle dans le trading et qu'on est en train de casser vers le haut. Donc là, il y avait des zones de support et là, il y a des résistances. On faisait des va-et-vient entre les deux zones et que finalement on est sorti par le haut, ce qui est un signe très important pour l'appel bullish. Il y a aussi des ETF qui vont vous permettre de shorter les indices. Donc là, par exemple, je vous montre le SDS qui lui va faire x2 en négatif ce que le S&P 500 fait. Donc, on voit depuis le début de l'année, les marchés ont quand même pas mal chuté. Le S&P 500 a perdu 10%. Et donc, le SDS a fait, lui, quasiment 25% depuis le début de l'année. Voilà. On peut utiliser ça pour protéger son portefeuille ou, voilà, si on sent un petit peu que les marchés sont en train de tourner, on peut shorter certains indices, très simplement. Là, je vous ai mis l'ETF du QQQ, donc je vais revenir là-dessus le 25 mars quand on fait de l'analyse technique. Je reviendrai peut-être un peu plus dessus. Le QQQ, c'est le Nasdaq, c'est-à-dire les 100 compagnies technologiques américaines. On voit que là, lui, il a chuté de 20%. Donc, c'est par exemple pour ceux qui souhaitent commencer à rentrer sur des indices comme cela, ils peuvent facilement regarder des graphiques. On sait que 20%, on rentre dans ce qu'on appelle bear market, une correction. Donc c'est souvent des zones d'achat. Et puis cette zone d'achat qui s'est passée vendredi correspond exactement à ce qui était une belle zone de support à l'époque. Moi je m'attendais plus que ça tombe au niveau des 293, mais ce n'est jamais arrivé. Alors peut-être ça y retournera, mais voilà, ça tombe exactement dans ce niveau-là. Je voulais investir sur le Dow Jones aussi, qui se demande si c'était une période intéressante pour rentrer. On voit que vous n'êtes pas obligé d'acheter chacune. Dow Jones, c'est les 30 plus grosses compagnies américaines industrielles. Donc, par exemple, on a du Boeing dedans, on aura du Exxon, ce genre de choses. On voit que historiquement, le Dow Jones, à chaque temps de crise, a fait en moyenne moins 12%. Je vous l'ai mis moins 11,6 exactement. Et là, on voit que depuis le plus haut à aujourd'hui, on a perdu moins 12%. C'est-à-dire que historiquement, on est sur la moyenne des chutes. C'est pour ça qu'on a un beau rebond aussi d'entrée. Ça, c'est toujours intéressant de regarder le passé. Qu'est-ce qui s'était passé pour éviter tout ce qui est le bruit sur le marché? Comment est-ce qu'on rentre? Voilà, regarder un peu des moyennes historiques.
Ça peut être important. Ça peut aussi aider pour lisser ses investissements pour certains qui ne sont pas sûrs. On va jamais pouvoir être sûr quand est-ce que le marché est au plus bas ou au plus haut, mais voilà, de se dire, OK, ben, quand on a fait moins 12% sur le Dow Jones, c'est-à-dire que historiquement, sur les plus gros événements, on était dans ces zones-là, mais peut-être on peut commencer à investir, je sais pas, 20% de ce qu'on souhaitait investir. Si ça faisait moins 15, on rajoute 20% et ainsi de suite, on fait une moyenne de coût vers la baisse. Alors, quand on choisit un ETF, à quoi penser? Déjà, ce qui va être important, c'est de choisir sa classe d'actifs. Est-ce que vous voulez investir en actions, en immobilier? Pour le rappel, on va discuter de l'immobilier la semaine prochaine avec un gestionnaire, tout ce qu'on appelle l'investissement indirect dedans, les matières premières, les obligations d'État. Donc ça, c'est important. Voir que les plus gros ETF dans le monde sont faits simplement sur les actions. Mais bien sûr, il y en a sur tous les secteurs. D'ailleurs, à droite, je vous ai mis les plus gros ETF en capitalisation boursière. Votre temps d'horizon aussi, c'est vachement important. Est-ce que vous investissez pour une semaine, 6 mois, 1 an, 5 ans? C'est important de savoir pourquoi. Parce que si vous êtes sur du court terme, peut-être les frais de l'ETF vont être moins importants si vous investissez sur du court terme. Voilà, est-ce que peut-être prendre un petit effet de levier dedans ou quelque chose de plus thématique? Et bien sûr, le montant que vous souhaitez investir. Donc, si vous souhaitez être vraiment diversifié, donc vous prenez simplement peut-être le S&P 500 ou le MSCI World, qui représente les 2000 plus grosses compagnies du monde développées. Il y a bien sûr aussi après des filtres qu'on peut rajouter. Et ça, c'est très important, les filtres ESG, environnemental, social, gouvernemental. On a fait toute une vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver là-dessus. Donc, comment est-ce que vous voulez investir d'une manière, voilà, avec par exemple le MSCI World, dans la vidéo qu'on a discuté avec Nadine l'autre jour, c'est que il y a 3 niveaux de filtre. Le premier, c'est on va juste retirer les pétrolières, par exemple, les compagnies qui travaillent dans l'armement. Mais on peut aller bien plus loin. On peut aller vraiment dans des compagnies où on va regarder la parité homme-femme. Voilà, il y a une liste de filtres qui est tout à fait énorme, mais bon. Qui est assez importante, déjà parce qu'on peut investir avec ses valeurs, mais aussi c'est qu'on évite des risques financiers ou autres quand on prend une compagnie qui a une bonne note ESG. Je vais vous montrer d'ailleurs comment vous pouvez regarder sur certains sites la note ESG de votre ETF. Votre monnaie d'investissement, est-ce que vous allez investir en euros, en dollars, en francs suisses? J'imagine que la plupart des gens ici vont commencer avec du franc suisse, donc il y a beaucoup d'ETF francs suisses d'ailleurs sur les marchés américains, européens. Parce que bien sûr, si par exemple vous investissez en euros et que, alors bien sûr, peut-être votre ETF va prendre 10%, mais si l'euro chute de 10%, vous retrouvez une moyenne à zéro. D'ailleurs, on voit que l'euro va bah, presque égaler le franc suisse. Aujourd'hui, 1 euro est égal à 1,02 franc suisse. C'est des investissements récurrents, donc beaucoup de gens vont se connecter tous les lundis du mois et investir un pourcentage de leur salaire dans les mêmes ETF. Alors, c'est ce que ma femme, par exemple, fait. Et qu'est-ce qui est important quand on fait ça, c'est de faire attention aux frais de transaction. Donc, par exemple, si on achète un ETF et qu'on investit que 100 francs chaque mois, bah, peut-être il faut attendre de le faire tous les 3 mois, d'avoir 300 ou 500 francs, parce que les 9 francs vont être fixes. Donc, finalement, on veut réduire ces 9 francs au maximum. Voilà. Bien sûr, quels indices prendre? Est-ce qu'on va prendre un indice très global comme le MSCI World ou un indice comme le marché américain ou ce que Suisse? Comment est-ce que vous voulez vous diversifier? Donc ça, c'est un point important. Et aussi, bien sûr, comment trouver son ETF? Alors là, je vais vous montrer deux, trois sites que j'utilise personnellement pour trouver mes ETF. Mais qu'est-ce qui va aussi être important? C'est leur qualité de réplication. Comment est-ce que ça suit? L'indice qui suit, est-ce que ça suit bien le SMI, comme je l'ai montré tout à l'heure avec le SMICHA. Et d'ailleurs, est-ce que c'est des ETF physiques ou synthétiques? C'est-à-dire, est-ce que quand c'est physique, il y a vraiment les positions qui sont derrière? Ça, c'est très important aussi. L'émetteur. Donc souvent, les émetteurs les plus connus sont BlackRock et par exemple Vanguard, que tout le monde connaît. Il y en a de plus en plus. On a UBS, Crédit Suisse, Tesco, enfin voilà, il y en a une dizaine, tous les jours qui en sortent, même Swissquote, je serais pas surpris qu'on en sorte bientôt. Important de voir les coûts annuels de l'ETF, les moins élevés sont à 0,06, mais bon, si par exemple vous investissez sur un ETF sur la Chine, par exemple le KWEB, KWEB, lui il investit dans les compagnies technologiques chinoises, on se retrouve à quelque chose à 0,6%. Pas 0,06, mais 0,6, qui est plus élevé, mais parce que c'est plus risqué, plus compliqué à faire, et ainsi de suite. Voilà.
Le volume, en général, regarder des ETF où il y a le plus de volume dedans, c'est important. Bien sûr, aussi sa date de création, est-ce que c'est un ETF qui a été fait hier ou qui a été fait il y a 20 ans? Bien sûr, plus la date de création est loin, plus on a de confiance dans cet ETF. Et bien sûr, un point très important, je vais revenir dessus, c'est les dividendes. Est-ce que les dividendes sont accumulés ou est-ce qu'ils sont distribués? Vous verrez la notion ACC ou 10. Quand vous cherchez l'ETF, je vous montrerai dans un exemple. Donc, AC, ça veut dire qu'ils sont accumulés, distribués, c'est-à-dire qu'ils sont donnés dans votre compte. Ça revient au même en termes de taxes. Je ne vais pas parler de fiscalité, mais bon, ça reviendra au même. Voilà. Je voulais faire un petit exemple simplement de portefeuille avant de se connecter dans le compte et vous montrer comment on fait une transaction, comment on fait une recherche et comment aussi on répond à toutes vos questions que vous n'hésitez pas à me poser. Alors là, je vous ai pris un portefeuille très simple qui s'appelle le All Weather Portfolio. Donc le portefeuille toute météo qui est fait par Ray Dalio. Lui, c'est simple. Il a dit, je vais faire un portefeuille 25% actions, 25% or ou métaux précieux, 25% obligations d'État court terme et long terme. L'idée, c'était d'investir voilà 25% dedans chaque mois. Là, on voit les performances sur le long terme, donc en bleu de ce portefeuille, en rouge le portefeuille qui a simplement suivi le S&P 500, donc un portefeuille qu'en actions. Donc c'est vrai que ces dernières années, le marché des actions a surperformé tout ce qu'on pouvait imaginer, mais le portefeuille avec des métaux précieux a aussi bien performé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a une moins grande volatilité. Là, on voit que par exemple en mars 2020, quand le corona est arrivé, il y a eu une grande chute. On a perdu quasiment 35-40% sur les actions. Alors que là, au moins, vu qu'on avait des métaux précieux et d'autres choses, on a pu réduire cette volatilité. Voilà. Donc là, c'est un exemple tout simple. Quelques petits chiffres, si vous voulez voir. Il y a des sites comme Lazy Portefeuille, lazyportfolio.com, qui vous aide à faire répliquer certains ETF. On a par exemple celui de Warren Buffett, celui de Katie Wood, ce genre de choses. Donc, lazyportfolio.com, c'est assez marrant à regarder. Voilà, alors ça c'était une petite partie présentation. Je voulais vous montrer deux, trois sites de recherche. Alors, par exemple, on a celui de la SIX, tout simplement, hein, qui est la bourse de Zurich. On pourrait, là, on peut faire voilà, une recherche en fonction de la classe d'assets, donc matières premières. Actions, pays en développement, vous choisissez votre stratégie, le provider, donc là on voit tous ceux qui les font, donc moi je ne mettrai rien ici, la monnaie dans laquelle vous souhaitez investir, par exemple le franc suisse, type d'investissement, voilà, management style, actif, passif, voilà, on peut mettre equity stratégie, simple, et voilà, vous faites trouver, et là vous verrez tous les ETF sur la SIX. Par exemple, voilà, sur la Chine, les énergies vertes, il y en a beaucoup. Restez peut-être simple au début, voilà, les HR, SMI. C'est une manière assez sympa et sûre de trouver ce qu'on veut. Imaginons, il y a un ETF qui vous plaît bien, là, je vous ai mis le SPY. Il y a des sites comme celui du MSCI World. Je vais vous mettre, par exemple, je vais revenir sur la page principale. Voilà, vous arrivez sur le MSCI World, c'est une agence de notation. Et là, on peut voir ça, le critère ESG. Par exemple, on va mettre le SMICHA, qui est l'ETF qui suit le SMI. Vous voyez d'ailleurs, A distribue 10 pour distribution. C'est-à-dire qu'il va donner, il va distribuer les ETF. On voit comment c'est fait. Et on voit que notre marché du SMI est quand même à une très bonne note. Il est double A. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de compagnies qui sont dans leaders dans leur secteur. La moyenne du carbone reçu. On n'a aucune compagnie qui viole les Nations Unies, les droits des Nations Unies, les démarches. Je ne sais plus parler, excusez-moi. Des armes, du tabac, voilà. Donc c'est une manière assez simple de regarder. Vous pouvez les regarder tous. Vous pouvez mettre le SPY qui est l'ETF, qui est l'un des ETF les plus connus. Hop. Et là, vous aurez la différence. Vous voyez que lui aussi, c'est un triple A, mais voilà. Il y a par exemple 4 compagnies qui font des armes, 2 qui font du tabac et ainsi de suite. Bien sûr, il y a des sites comme TradingView qu'on utilise, où là vous pouvez faire de l'analyse technique, regarder ce genre de choses. On peut revenir dessus à la fin du webinaire ou inscrivez-vous pour le 25 mars, on va discuter que de ces analyses techniques, comment on fait des zones de support, résistance,
de volatilité, ce genre de choses. Alors, comment on achète un ETF? C'est assez simple. On arrive, faut d'abord avoir un compte, évidemment. On se connecte dans son compte et là on arrive sur cette page. Et là, qu'en étant cette page, vous pouvez simplement aller rechercher par nom là-haut, par exemple, vous cliquez sur le SMICHA qu'on discutait. Et là, vous verrez, c'est le seul qui apparaît. Ou celui de la banque cantonale, là, ZGLD. Hop, et là, alors là, c'est d'ailleurs une question que quelqu'un m'a posée. Il y en a plusieurs. Il y en a sept. Et en effet, il y en a sept. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont en francs suisses, d'autres en euros, d'autres en pounds. Il y en a d'autres qui sont hedge à d'autres monnaies. Voilà. Le principal, c'est le ZGLD. Il n'y en a que un finalement. C'est celui-là. Vous cliquez sur trade. Alors là, je vais peut-être pas prendre celui-là. Vous savez pourquoi? Parce que la bourse suisse est fermée depuis 5h30. Donc, je vais prendre un où le marché est ouvert. Par exemple, le QQQ qui investit dans les marchés. Dans les compagnies technologiques américaines. Hop, cours différé. On voit que le marché est en chute de 0,18%. Chaque action vaut 345 dollars. Donc imaginons, on veut investir 1000 dollars. On fait acheter ici, première étape. Un jour, on cliquera sur vente. Ça sera la même chose. Quantité, vous mettez 3, par exemple. Type d'ordre. Quand on commence, il y en a deux qui sont importants, c'est le marché ou limite. Limite, c'est-à-dire vous êtes, c'est vous qui choisissez votre prix. Donc, je vais revenir sur l'exemple tout à l'heure, pardon, du QQQ. Moi, je le voyais déjà descendre à ces niveaux, 324, ou éventuellement, donc imaginons, j'avais déjà mis deux ordres d'achat, un à 323 qui serait passé la semaine dernière, et j'en aurais mis un deuxième à 293. Là, c'est-à-dire une plus grosse chute qui est tombée sur la prochaine zone de support. Là, je mettrai ici dans mon compte 294. Voilà. Avec une validité, bien entendu. Et ça ne va pas s'arriver aujourd'hui. Mais on peut mettre ça, par exemple, jusqu'à fin juin. Le maximum, c'est un an. Si jamais vous pouvez toujours modifier vos ordres, les supprimer, ça ne coûte rien. Donc voilà, 294, type d'ordre. Vous verrez vos frais, le montant estimé, et vous cliquerez sur préparer l'ordre. On peut aussi passer des ordres de marché, donc ça, si c'est pas important pour, par exemple, vous, quels sont les niveaux, vous voulez pas faire vraiment du trading ou de l'analyse technique, vous voulez juste investir dessus chaque début du mois, vous faites un type d'ordre de marché, et là, ça sera le dernier prix de vente qui sera pris, c'est-à-dire les 244,98 dollars. Ça fait pas une grosse différence. Si jamais, quand on fait marché, dans les montants estimés, vous allez voir qu'il y a une différence de 10%. Pourquoi? Parce que sur certains produits qui sont extrêmement volatiles, on préfère prendre une marge de 10%. Vous n'allez pas être pris 10% de plus. Vous allez être pris exactement 3 fois 245, par exemple, plus les commissions. Ça sera ça. Mais bon, en montant estimé, on est obligé de mettre 10% sur les ordres de marché. Si vous n'avez pas de dollars, parce que là, c'est une position en dollars d'ailleurs. Vous avez que des francs suisses dans votre compte. Quand vous allez acheter, ça va vous dire que vous avez un solde négatif en dollars. Regardez, quand on fait, vous avez un solde négatif en US dollars. Après, c'est normal. Nous, on va échanger vos francs suisses, le montant exact, pour acheter du dollar avec cela. Voilà. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant. Moi, ce que je fais, ce que c'est que quand je faisais mes recherches à l'époque, maintenant je les connais quasiment par cœur, c'est que je faisais des listes. Je les fais toujours d'ailleurs, des listes de suivi. Donc, par exemple, je les fais là des listes un peu d'entraînement. Par exemple, voilà, j'ai mis des ETF suisses, le SMICHA, mais aussi américain, le SPY, le VT, sur l'or, sur l'argent, sur les énergies solaires, le Nasdaq, des ETF à dividendes, j'en ai pas parlé, mais il y a des ETF qui vont chercher, par exemple, je sais pas, les 100 compagnies qui donnent le plus de dividendes aux États-Unis. Ou en France suisse, il y en a un qui s'appelle CHDVD qui prend que les compagnies qui donnent le plus de dividendes. Ceux qui shortent l'uranium, qui est vachement en vogue aujourd'hui parce qu'on se dit qu'on est trop dépendant des gaz russes et que finalement, l'une des manières de plus être dépendant, c'est de faire de l'uranium. Voilà, donc d'ailleurs, l'uranium a pris 6% aujourd'hui de valeur. L'une des manières de l'acheter, c'est un ETF qui s'appelle URA. URA. Voilà, vous voyez qu'on peut être très spécifique comme on peut être très diversifié et simple.